Apparaissent, disparaissent et ne reviendront pas. Un pavillon, une rue, une piscine en plastique bleu comme ça. Et en arrivant sur le quai, c'est juillet, c'est Marseille, le soleil est blanc et la peau colle sous les vêtements. On me voit. Dans des appartements, dans des soirées fenêtres ouvertes au vent, couloir d'entrée et contre le mur se plaquer, atteindre la pièce à côté. Parler à une fille, parler trop fort. Elle répondra à une phrase que je n'entendrai pas. Elle redira la phrase en se penchant vers moi. En penchant tout son corps. Et ce serait tellement simple de se parler en fin d'après-midi derrière le port. Derrière le port. On me voit sur une aire d'autoroute, devant la machine à café. Le distributeur automatique, et j'ai roulé tellement. Alors les bras en l'air, les étirements, pour ressembler à une idée que je m'étais faite il y a longtemps. Sur la route, l'asphalte est bouillant, alors l'image tremble devant et ça ressemble à tous ces plans. À tous ces films que je voyais à 17 ans. Il y a encore un trajet à faire. Il y aura la nuit en arrivant là-bas. Et j'espère encore que ça ressemblera à Jim Jarmusch, ou bien à Louise et Thelma. Ou bien à Louise et Thelma. On me voit. On me voit. On me voit avançant sur des rochers. Faisant comme si c'était encore l'été. Tous les gens sont partis. Les bronzages disparaissent à Paris. On me voit rester par ici. Ici on me connaît. On sait que j'ai un bateau par là. Un bateau par là. Sur des rochers on me voit. On m'a vu les cheveux trempés dans cette rue. À l'époque où j'attendais en bas. Où j'espérais cette histoire-là. J'attendais des heures chaque fois. Et parfois sans savoir pourquoi. Elle venait, elle m'embrassait, on s'en allait dans la nuit et parfois elle changeait d'avis. Alors parfois on m'a vu, les cheveux trempés dans sa rue. On ne me voit pas. Dans cette chambre, derrière les volets, la journée qui avance. Et j'écris la danse, depuis toujours, comme ces dimanches adolescents. Quand tout le monde allait faire un tour, vers la forêt, vers les étangs. Et je restais toujours dedans. Moi je restais. Mes synthétiseurs japonais. Et aujourd'hui, 20 ans après, je reste encore. Quand tout le monde est parti dehors. Et c'est juste à cet instant-là.